ne manquera jamais. Ah, Yahweh, mon papa, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Ah, Yahweh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'inspiration. Ah, Yahweh. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Comment t'en sors à l'éternel, mets ta confiance en lui, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Comment t'en sors à l'éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Comment ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Comment ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Ce que ton cœur désire, recommande ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Que ton cœur désire, recommande ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Père de l'Éternel, tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Ma vie est en tes mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma vie est en tes mains, il agira. Mon élévation dépend de lui, il agira. Ma vie est en tes mains, il agira. Oh, il agira. Ma vie est en tes mains, il agira. Oh, Jésus agira. Bénédiction dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, mon élévation dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, ma restauration dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, ma guérison dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, ma délivrance dépend de lui. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma
problèmes sont entre ses mains, il agira. Jésus agira. Les limites sont entre ses mains, il agira. Seigneur Jésus, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Seigneur Jésus, tu agiras. Mon futur est entre tes mains, tu agiras. Oh oui, Jésus, tu agiras. Mes projets sont entre tes mains, tu agiras. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon élévation dépend de lui, il agira. Gloire à toi, Seigneur. Ma bénédiction dépend de lui. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma restauration dépend de lui. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon élévation dépend de lui. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, ma guérison dépend de lui. Ma vie est entre ses mains, il agira. Jésus s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé. Gloire à toi, il s'est levé pour te fortifier. Merci Jésus. Il s'est levé pour te bénir. Jésus s'est levé. Alléluia. Jésus s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé,
levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé. Alléluia, alléluia, alléluia pour toujours. 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 Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Il est élevé. Alléluia. Jésus est élevé. Alléluia. Il est adoré. Alléluia. Jésus est adoré. Alléluia. Il est acclamé. Alléluia. Master Jesus, he's in control, all over the world, Master
contrôle de cette circonstance, il est au contrôle de ce problème, il est au contrôle de ta famille, il est au contrôle de tes projets, il est au contrôle de ton avenir, il est au contrôle de ta nation, il est au contrôle de notre Église. Il est au contrôle, il est au contrôle, partout dans le monde, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est il est au contrôle, il est au contrôle, partout dans le monde. Le Seigneur Jésus est au contrôle, il est au contrôle, partout dans le monde. Le Seigneur Jésus est in control, il est control, all over the world. Master Jesus is in control, is in control, all over the world. Master Jesus, is in control, is in control, all over the world. Master Jesus, is in control, il vit cette situation, il est contrôle your life, il est contrôle le problème. All over the world, Master Jesus, is in control, la situation ne lui échappe pas. Il est au contrôle, il est au contrôle, partout dans le monde, le Seigneur Jésus est au contrôle, il est au contrôle, partout dans le monde, le Seigneur Jésus est au contrôle, il est au contrôle, partout dans le monde, le Seigneur Jésus est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, partout dans le monde. Le Seigneur Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle de ta barque. Le Seigneur Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Rien ne lui échappe. Partout dans le monde. Il tient toutes choses dans sa main. Le Seigneur Jésus il est au contrôle. Reste tranquille, il est au contrôle. Il est au contrôle de ta projet. Il est au contrôle de ton foyer. Il est au contrôle de ta Il est au contrôle de l'Église. Il est au contrôle de toutes choses. Partout dans le monde, le Seigneur Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Partout dans le monde, le Seigneur Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Partout dans le monde. Le Seigneur Jésus est au contrôle. Alléluia. C'est au contrôle. C'est pourquoi nous chantons. Nous pouvons dire Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Alpha. Tu n'as pas changé, tu es Omega. À jamais tu resteras Alpha. Jésus, tu es Omega. Dans ta vie, tu es Alpha. Tu n'as pas changé, tu es
es-tu, Seigneur éternel des armées? Tu es Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Tu es la vie éternelle. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer, Jésus. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. 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 Célébrer, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous sommes rassemblés ici ce matin pour célébrer le grand Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est la résurrection et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Soyez richement bénis ce matin par la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu se souvienne de vos familles. Que Dieu se souvienne de vos prières qui vous exaucent du haut des cieux. Je veux particulièrement saluer ce matin toutes les femmes pasteurs missionnaires de la Bonne Voie de par le monde entier. Soyez saluées, bénies, fortifiées, encouragées pour l'œuvre du Seigneur. Je veux également saluer toutes les femmes missionnaires de toutes les familles. Les dénominations sont des familles. Je vous salue et je vous encourage ce matin de continuer de servir le Seigneur. C'est le temps qui est arrivé, c'est votre temps, c'est votre saison. Continuez, levez-vous, allez-y, foncez. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le premier jeune Moussa Kone et son équipe ce matin à Genève. Soyez bénis et bon courage pour l'œuvre missionnaire. Que le Seigneur nous aide à accomplir sa volonté et sa volonté parfaite. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia. Loué son nom. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia. Loué son nom. Un peu. Alléluia.
d'abondante joie devant la face du Seigneur. On n'a pas le temps pour les tristesses. On n'a pas le temps pour les tristesses. Jésus est bon pour nous. Amen. Quand on est en bonne santé, il est bon. Quand on est même souffrant, il est bon. Il est toujours bon. Amen. On doit toujours être joyeux parce que notre Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est une grâce. Ça ne peut pas s'expliquer. On n'a rien fait et Jésus a accepté de mourir pour que nous ayons la vie. Quand on a la vie, on est dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. On va élever la voix vers notre Dieu ce matin pour lui dire merci pour cette joie qu'il nous a accordée. Même dans la douleur, on est dans la joie. Amen. Alléluia, que Dieu Amen. Soit béni. Amen. La joie du Saint-Esprit, Seigneur. Ça dépasse sois tout. Loué, éternel, merci Seigneur magnifique. Pour ta joie merci que tu as mis dans nos cœurs ce matin. Pour te célébrer parce que tu es notre Dieu. Ne dépend pas, nous voulons Seigneur, te bénir. Notre joie ne dépend pas des circonstances de la vie. Notre joie ne dépend pas des événements. Notre joie dépend de toi, Jésus. De notre relation avec toi. Parce que tu es Dieu. Tu nous as sauvés, sois béni, tu nous Seigneur. As aimés, Seigneur. Merci, merci Jésus, nous Jésus. T'aimons de tout notre cœur. Gloire à toi. On va donner une bonne dose d'acclamation au Seigneur. C'est bon, hein, d'avoir une famille. C'est bon d'avoir des enfants. Et c'est bon d'avoir des repères. Quand quelqu'un n'a pas de repères, il n'a rien à dire. Quand quelqu'un n'a pas de modèle, il n'a rien à dire. Mais quand quelqu'un a pris Jésus pour référence, pour repère, il a quelque chose à dire. Voici mon fils, Philippe Chembo. Jésus est bon. C'est impressionnant, hein? Des fois, le Seigneur vous envoie quelque part pour quelque chose de précis. Et au cours du chemin, il vous montre sa volonté. On peut aller dans un pays pour étudier. Et puis, on se retrouve avec Jésus en train de faire ce que Jésus a prévu pour nous et non ce que nous ou nos parents ont décidé qu'on doit faire. Il faut que tu aies quelque chose à dire. Se plaindre là, ça n'a pas de sens. Je voulais faire ça, mais non, il n'y a pas de main. Ce que Dieu veut là, c'est ce qui se fait. Alléluia. Il faut être un produit pur de Jésus. Voici un produit du Seigneur. Il est venu ici une année, il a prêché sur la... Il nous a parlé de la cinquième colonne. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la cinquième colonne partout dans le monde entier. Cinquième colonne. Mais Jésus est Dieu. Il a le dessus sur la cinquième colonne. On regarde le Seigneur et on progresse. Vous l'avez déjà entendu ici plusieurs fois, non? Voilà, c'est son tour aujourd'hui de nous parler de la part du Seigneur. Nous allons prier Dieu qu'il ouvre nos cœurs, nos entendements et que l'esprit de sommeil physique soit éloigné de nous, sommeil spirituel également, que tout ce qui est distraction soit voué à l'échec au nom de Jésus. Prions. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu as amené depuis le Maroc pour nous parler de ta part ce matin, Seigneur. Tu avais programmé ce moment, Seigneur, avant la fondation du monde. Nous croyons que tu es Dieu. Seigneur, prends le contrôle de ce moment et que toute interférence soit détruite par le sang de Jésus. Viens parler par la bouche de ton serviteur, Seigneur. Tout ce que tu as dit, Seigneur, de nous dire ce matin, qu'il le dise, Éternel, parce que tu es Dieu. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Une dose d'acclamation pour accueillir l'homme de Dieu au nom de Jésus.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Il est bon de savoir que notre vie dépend de lui. Nous l'avons chanté, mais il est bon que nous puissions expérimenter cela tous les jours. Comme on l'a chanté tout à l'heure, ma bénédiction dépend de lui. Ma restauration, ma vie dépend de lui. Parce qu'il est l'alpha, il est aussi l'oméga. J'ai béni le Seigneur pour papa et maman qui m'accordent ce privilège, qui renouvellent leur confiance à mon égard pour que je puisse parler de la part de Dieu. C'est un privilège ponctué d'une responsabilité. Jérémie, Dieu lui a dit qu'il y avait des gens qui parlaient, qui couraient n'importe comment alors qu'ils n'avaient pas été envoyés. Il dit, je n'ai pas parlé et ils ont couru, ils ont parlé. Il dit, si seulement ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient su quoi dire. Nous prions, nous bénissons le Seigneur aussi pour papa, le pasteur Moussa, qui est dans cette mission en Suisse pour gagner encore les âmes pour Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cet exemple qu'il est pour sur plusieurs générations et se répère comme maman Maïmouna l'avait dit tout à l'heure. Croissance et fidélité. C'est l'année 2024, n'est-ce pas? Croissance et fidélité. J'aimerais partager sur croissance et fidélité égale réussite assurée. Croissance et fidélité égale réussite assurée. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir, pas moi, mais la parole de Dieu? 1 Samuel 12. Parce que Jésus est la parole. Nous allons faire cet exercice. On se lève pour accueillir la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Samuel 12, 1 à 18 et le verset 24. Quand vous aurez le temps à la maison, vous pourrez lire de 1 à 25. Mais on lit 1 à 18 et puis le 24. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. » Et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ces jours. Mais voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as pas opprimés et tu ne nous as point traité durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin. En ces jours que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous. Je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu. Et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée des Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baal et les Astarté. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, c'est-à-dire Barak, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi.
Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson de blé ? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte devant l'Éternel et une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Amen. On peut reprendre nos places. Croissance et fidélité égale réussite assurée. Dis à ton voisin, la prédication a déjà commencé. Oui. Quand on lit la parole, la prédication commence déjà. Voilà. Donc voilà pourquoi nous lisons d'abord la parole. Ce ne sont pas nos propres idées. À travers la vie du prophète Samuel, nous voulons voir la croissance et la fidélité pour une réussite assurée. Croître, c'est-à-dire progresser, mais aussi être fidèle. Il y a 3000 ans de cela, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait ce constat amer, ce constat qui est encore d'actualité en psaume 12, verset 2. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les fidèles sont devenus rares, ceux-là qui sont fidèles au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de la fidélité, il s'agissait de la sûreté, de la vérité, de la stabilité, de l'assurance. C'est-à-dire, une personne fidèle, c'est une personne constante, c'est une personne stable. Être fidèle, c'est être permanent, être digne de confiance. Celui qui ne varie pas dans son engagement à une personne, celui qui ne varie pas dans son engagement à une structure, c'est celui-là qu'on appelait fidèle. Dans Nombre 12, Dieu appelle Moïse et dit, « Il est fidèle dans toute ma maison. » Il dit à Marie Aaron, « Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse ?» Il dit, « Il est fidèle, il est stable dans toute ma maison. » Dans le Nouveau Testament, quand on parle de fidélité, on parle de la foi. La foi à toute épreuve. On parle de croyance, on parle de conviction, on parle de confiance, on parle aussi de multiplication, nous allons le voir. Et comme je le disais dans ce passage de 1 Samuel 12, nous voyons la croissance et la fidélité qui marchent côte à côte. C'est le dernier discours de Samuel devant tout le peuple d'Israël. Il dit au verset 2, « J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ces jours. » Il a été constant, il a été fidèle depuis ma jeunesse jusqu'à ces jours. J'ai marché à votre tête, jamais je n'ai bronché. Il parle de sa croissance depuis ma jeunesse jusqu'à ces jours. Je suis devenu vieux. Et le verset 24 de 1 Samuel 12, il dit « Servez fidèlement Dieu de tout votre cœur. Servez-le fidèlement comme moi je l'ai fait. » Il est en train de sous-entendre sa croissance, mais aussi sa fidélité, qui lui ont permis d'avoir une réussite assurée. Un petit rappel, qui était Samuel? On donne à nos enfants le nom de Samuel, mais est-ce qu'on le connaît vraiment, c'est Samuel? Est-ce qu'on nous prêche vraiment sur cet homme que le Seigneur a aimé, cet homme qui a marqué le cœur de Dieu? Le nom Samuel signifie « demander à l'Éternel », ou si on doit vraiment le dire dans l'original, c'est « réclamer à l'Éternel ». Réclamer à l'Éternel. Il est venu dans le monde en réponse aux prières d'une femme pieuse, mais qui était stérile, du nom de Anne. Et Anne, lorsque cet enfant arrive au monde, va le confier au Seigneur. Samuel, très jeune, il va être dans le service de Dieu.
1 Samuel 2, verset 11 nous dit, l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Nous sommes en train de faire une étude sur la vie de Samuel pour voir quel homme il était dans sa croissance et dans sa fidélité. Il était fidèle au sacrificateur Élie. On parle aussi de sa croissance. 1 Samuel 2, 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Il n'avait pas grandi une seule fois. 1 Samuel 2, 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il continuait à grandir. Est-ce que ta croissance dans tous les aspects spirituels, mentaux, émotionnels, financiers, fera en sorte que tu puisses rester agréable à l'Éternel et aux hommes? La croissance est indispensable pour tout enfant de Dieu. Cet homme, dans sa croissance, il gagnait la faveur de Dieu et il gagnait aussi la faveur des hommes. Quand on regarde très bien, c'était un homme qui craignait vraiment le Seigneur. Dans 1 Samuel 3, verset 1, on dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. » Devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Voici le contexte. La parole de Dieu est rare. Les visions ne sont pas fréquentes. Et même les fils du sacrificateur Élie, c'était des gens pervers, nous dit 1 Samuel 2, qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ils servaient au temple. On pourrait dire qu'ils étaient des hommes de Dieu, des pasteurs, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils n'avaient pas une relation avec l'Éternel. On nous dit qu'il était agréable à Dieu, c'est Samuel. Bien qu'au verset 7 de 1 Samuel 3, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole ne lui avait pas encore été révélée. Il ne connaissait pas encore l'Éternel de façon intime, mais il était déjà agréable au Seigneur. Son cœur était pur. Il ne vivait pas encore dans les manifestations du Saint-Esprit, dans les prophéties, mais il était déjà agréable au Seigneur. Nous voyons que Dieu, il se préoccupe d'abord de notre être, qui nous sommes. Il n'est pas contre les dons, mais qui sommes-nous? Et quelle fonction a-t-il occupée en Israël? C'est Samuel. Samuel était sacrificateur, il était prophète et juge. Il a cumulé les trois fonctions en Israël. Sacrificateur, parce que dans 1 Samuel 2, 35, quand Dieu rejette la famille de son prédécesseur, Élie, Ophni et Phiné, il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et le sacrificateur, il avait pour rôle de représenter Dieu devant le peuple. Il représentait aussi le peuple devant Dieu. Il servait d'intercesseur. Quand vous lisez Exode 28, versets 29 à 30, on nous dit, sur sa poitrine, sur le pectoral, il y avait les noms de tous les enfants d'Israël, afin qu'il intercède pour le peuple, en faveur du peuple, pour que Dieu ne puisse pas les frapper. Parce que nous le savons très bien, ils étaient toujours un peuple au courette. Malachi 2, verset 7 nous dit, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. » C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Il devait garder la science. Et vous savez, le sacrificateur, il avait plusieurs rôles en Israël. Il était vraiment passe-partout. Le sacrificateur, il était comme un médecin en Israël. Lorsque quelqu'un avait la lèpre, c'est lui qui allait constater si cette lèpre-là était évolutive ou non. Et quand la lèpre avait cessé, il fallait se faire voir chez les sacrificateurs. Le sacrificateur était aussi comme un chef d'armée. Quand vous lisez Deutéronome 20, c'est lui qui s'est présenté lors du combat pour dire « Israël, vous allez livrer aujourd'hui un grand combat. Vous êtes un peuple peu nombreux, mais voilà, les adversaires sont plus nombreux. Mais rappelle à ton souvenir ce que Dieu a fait à l'Égypte. Le sacrificateur, il était enseignant du peuple. Le sacrificateur, il apportait beaucoup de choses au peuple. Il avait multiples casquettes. Et Samuel était sacrificateur. Samuel, il était aussi prophète. 1 Samuel 3, verset 20 nous dit, Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. C'est-à-dire, il parlait de la part de Dieu. 1 Samuel 7, 15 nous dit aussi que Samuel était juge en Israël. Il avait cette fonction politique aussi. Il fut juge en Israël pendant toute sa vie. 1 Samuel 7,
verset 15. Nous voulons voir sa fidélité. Nous voulons voir la fidélité et ses trois dimensions dans la vie de Samuel. La fidélité a au moins trois dimensions. Il y a d'abord la fidélité envers Dieu, la fidélité envers les autres, c'est-à-dire la fidélité verticale, la fidélité horizontale envers les autres, la fidélité envers soi-même. Et Samuel était fidèle envers Dieu. Déjà, on nous dit qu'il était agréable à Dieu. Il était fidèle à Dieu. Pourquoi je dis qu'il était fidèle à Dieu? Parce qu'il était fidèle à la parole de Dieu. Puisqu'il était fidèle à la parole de Dieu, il ne cessait de grandir spirituellement. La croissance et la fidélité sont liées. Quel rapport avons-nous avec la parole de Dieu? Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la méditons? Il est inconcevable que quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne la médite pas, qui ne l'étudie pas, veuille enseigner aux autres. Tu dois t'asseoir et être enseigné, parce que cette parole-là, on doit la connaître. J'ai parlé avec un couple très âgé, ils ont 51 ans de mariage. Il me disait, pasteur, vous devez faire attention à ce que vous dites. Nous étions dans notre église, parce qu'ils sont juste de passage au Maroc. Nous étions dans notre église, dans leur pays. On avait invité un pasteur à prêcher. Le pasteur, il s'avance, il dit, bon, j'aimerais vous dire que ce que je vais prêcher aujourd'hui, en réalité, je n'ai même pas préparé. Hein. Je ne me suis pas préparé, mais j'ai senti que c'est ce que je... Et puis, la dame a dit, on a fermé nos Bibles. On a dit, on ne suit plus. Comment tu peux te lever devant des gens, parler de la part de Dieu et ne pas te tenir devant Dieu? Et il ose dire cela. Samuel, il grandissait, il était fidèle à Dieu, il était fidèle à la parole de Dieu. 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tu veux grandir, tu veux une position à l'église, tu veux une position que Dieu doit t'accorder. Mais quel est ton rapport avec la parole de Dieu? Quel est ton rapport? On nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles, que ce soit la parole écrite, parce qu'il y avait déjà la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse avec ce que Josué avait écrit. Il avait la parole écrite, mais Dieu lui parlait aussi. Quand Dieu lui parlait, on dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Combien de fois Dieu t'a parlé? N'entre pas dans cette relation amoureuse, tu discutes avec Dieu. Ne va pas dans tel endroit, tu discutes avec Dieu. Et tu espères la croissance. La croissance n'arrivera pas. On dit Samuel, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et au verset 21, on dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel. Puisqu'il était fidèle à la parole de Dieu, le Seigneur continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Dieu se révélera par sa parole. Dieu ne se révélera pas par autre chose, par sa parole. Et toute autre révélation doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Fidèle envers Dieu, fidèle aussi envers les autres. Et la fidélité envers les autres, c'est en deux parties. Cette fidélité qui va du bas vers le haut. Du bas vers le haut, mais cette fidélité aussi qui va du haut vers le bas. C'est-à-dire de l'inférieur vers le supérieur, fidèle, mais du supérieur vers l'infidèle. Plutôt du supérieur vers l'inférieur. C'est-à-dire c'est dans les deux sens. La fidélité du bas vers le haut. Samuel était fidèle à Élie. Fidèle envers son père spirituel. Êtes-vous fidèle à votre pasteur? Êtes-vous fidèle? S'il est étonnant que les gens qui quittent l'église et qui fondent des églises dans la rébellion exigent de leurs nouveaux fidèles la fidélité, la loyauté de leurs subalternes. Tu ne peux pas exiger la loyauté envers tes subalternes si toi-même tu n'as pas été un bon fils, si toi-même tu n'as pas été fidèle. C'est impossible. Prêche ce que tu veux. Je me rappelle, il y a quelques années, une jeune sœur que j'ai connue quand nous étions étudiantes, elle nous a vraiment fatigués par son comportement. Une fois, elle m'appelle. Elle a commencé à pleurer au téléphone. Ça faisait plus de 10 ans, je n'avais plus son contact. Elle pleurait.
J'ai dit, c'est qui? Elle m'a donné son prénom. J'ai dit, ah ok, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il y a un malheur qui t'est arrivé? Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Elle dit, je suis responsable dans l'église où je suis, j'encadre les jeunes. Et je réalise aujourd'hui que j'étais fait souffrir par mon mauvais comportement, par mon mauvais témoignage. Il dit, je suis en train de subir ce que j'étais fait subir. Elle pleurait, elle dit pardon. Je me suis dit, bon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je ne me rappelle même plus. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La fidélité du bas vers le haut. En réalité, il ne pouvait pas respecter Samuel, si on doit voir plutôt Élie, naturellement. Parce que déjà, c'était chaotique, catastrophique dans la famille d'Élie. Mais il a appris à être sous le leadership d'Élie, parce que Dieu l'avait placé là. Dieu, lui-même, il s'est occupé d'Élie pour le punir, pour que le jugement divin s'abatte sur lui. Mais ce n'était pas à Samuel de juger Élie. La fidélité va aussi de haut vers le bas. Est-ce que Samuel, en devenant le leader numéro un en Israël, était fidèle envers le peuple qu'il dirigeait? C'est ce qu'il demande à la fin de sa vie dans 1 Samuel 12. Est-ce que j'ai pris le bœuf de quelqu'un? Est-ce que j'ai pris l'âne de quelqu'un? Est-ce que je vous ai opprimé? Est-ce que j'ai fait ceci? Il dit, rendez témoignage contre moi. Et il va recevoir, Samuel, un témoignage unanime du peuple. 1 Samuel 12, 4, ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement. Point traités durement, dans notre version, il est dit, tu ne nous as pas exploités, tu ne nous as pas écrasés et tu n'as rien reçu de la main des personnes comme corruption, jamais. La vie de Samuel est une démonstration de fidélité et d'intégrité. La vie de Samuel était un engagement à faire la volonté de Dieu. C'est en cela qu'il est notre exemple, pour la croissance et pour la fidélité. Ah, on donne souvent le nom de Samuel à nos enfants, mais on n'étudie pas très bien sa vie. On ne connaît pas. C'était un homme intègre et il gagnait son argent. Il gagnait beaucoup d'argent, honnêtement. 1 Samuel 9, versets 22 à 24, le jour où j'ai lu cela, j'ai découvert cela, j'ai commencé à rire moi-même. Samuel prit Saül et son serviteur. Il les fit entrer dans la salle. À ce qui semble, c'était chez lui. Et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Il pouvait nourrir au moins 30 personnes chez lui. Il devait avoir une grande maison. C'est Samuel là. Vous imaginez, au moins 30 personnes. Il devait avoir un grand salon. Il était fidèle. On peut être fidèle et être riche. Et cet homme aussi, il démontre la troisième dimension de la fidélité envers lui-même. C'est-à-dire un homme de principe. Il était fidèle envers lui-même. Jérémie 22, 13 à 17, c'est Dieu par la bouche de Jérémie qui est en train de blâmer un roi de Juda. Il dit, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer. Qui fait travailler son prochain sans le payer. Est-ce que tu payes bien cette nounou à la maison qui garde tes enfants? Est-ce que tu payes bien cette personne qui est dans ton entreprise, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses » et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambris des cèdres et la pain en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité. J'aime la fin. Et il fut heureux. On peut pratiquer la justice et l'équité et être heureux. On peut pratiquer la justice et l'équité et le bonheur nous accompagner. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître,
dit l'Éternel. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. Dieu est étonné par le fait que ce roi de Juda, il s'écarte de la voie de son père. Son père, il était juste, il était intègre et il était heureux. Ce mot nous montre qu'on ne peut pas être heureux si on est intègre. On sera en retard. C'est faux. Il était fidèle envers lui-même. Vous savez, l'infidélité est un trait de caractère qui se transmet à tous les domaines de la vie d'une personne. Si quelqu'un est infidèle à sa fiancée aujourd'hui, il est susceptible d'être un mari infidèle un jour. Si quelqu'un n'est pas fidèle en donnant sa dîme lorsqu'il gagne 100 000 francs, il ne donnera pas sa dîme lorsqu'il gagnera 1 million de francs. Si quelqu'un qui gagne 1 million de francs ne donne pas sa dîme, il ne donnera pas sa dîme quand il aura 10 millions de francs. Parce que plus tu as, tu te dis, ah, la dîme de 10 millions, c'est 1 million. Tu commences à discuter. Tu commences à discuter. Parce que tu n'as pas appris. 1 Samuel 12, verset 5, il dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint. En ces jours, vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Vous n'avez rien trouvé. Je suis fidèle envers Dieu. Je suis fidèle envers vous. Je suis aussi fidèle envers moi-même, envers mes principes. Nous ne réalisons pas ce que le Seigneur est en train de nous dire en ce matin. En fait, nous oublions que Samuel, il a exercé sa fonction de sacrificateur, prophète et juge durant la période des juges. Ce n'est pas parce que 1 Samuel, c'est après le livre de Ruth que ça vient après. Non, c'était la période de juges. Ruth, c'est la période de juges. Mais dans la période de juges, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse et je la ferme, on a trouvé quelqu'un qui était fidèle comme Boaz. Mais dans la période de juges aussi, il y avait un homme comme Samuel. Qu'est-ce qui caractérisait la période de juges? Juges 17, verset 6, on nous dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun. Juges 21, verset 25. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et en cette période où chacun faisait ce qui lui semblait bon, quand vous lisez Juges 19, c'est grave. On nous parle même d'un Lévite qui dit fièrement, je suis venu dans cette contrée, j'étais avec ma concubine. Vous vous rendez compte? Il était Lévite, mais il parle de sa concubine. Et Samuel, il s'est distingué. C'est possible de se distinguer, d'être fidèle envers soi-même, même dans ce monde pollué, dans ce monde où les antivaleurs sont des valeurs, dans ce monde où les gens prônent les antivaleurs, ces gens ont un lobbying fort, ils peuvent influencer même les gouvernants. Acte 13, verset 20, après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges. Acte 13, verset 20, jusqu'au prophète Samuel. Vous voyez? Il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Samuel était juge. La fidélité, avec ces trois dimensions, et nous avons aussi la fidélité qui est maintenue par le souvenir des bienfaits de l'Éternel. Celui qui tient compte des bienfaits de l'Éternel est toujours fidèle. Celui qui tient compte des bienfaits même du passé est fidèle. Il y a deux ans et demi de cela, il y a un jeune homme qui a quitté l'église où il était. Il est venu dans notre assemblée. Moi, je sais toujours comment traiter ce genre de personnes. Je lui ai dit, je t'intime l'ordre de ne jamais parler en mal d'où tu es venu. Et même ceux qui sont restés là-bas, s'ils te posent des questions, tu ne réponds pas. Et si tu veux qu'on s'entende, toi et moi. Il dit, tu es resté plus de 10 ans, même, voire même 15 ans dans cette assemblée. Je lui ai dit, on ne crache pas sur le plat qui nous a nourris. Le souvenir. Les chrétiens ont la mémoire courte. 1 Samuel 12, verset 7. Maintenant présentez-vous, je vous jugerai devant l'Éternel. Et comme nous l'avons lu,
On nous dit Dieu a suscité Moïse, Aaron, ils sont sortis de l'Égypte, mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu. L'oubli, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Et quand tu oublies, tu ne seras pas fidèle. Ils ont abandonné le Seigneur encore. Ils se sont livrés à Baal, nous dit 1 Samuel 12, 10. Ils ont crié à Dieu, délivre-nous de la main de nos ennemis. Et nous te servirons. Dieu a envoyé Gédéon, il va envoyer Barak, Jephthé et même Samuel. Il vous délivra de la main de vos ennemis. Et à chaque fois qu'ils ont crié à l'Éternel, Dieu les a délivrés. Mais ils oubliaient toujours les bienfaits de l'Éternel. Le souvenir des bienfaits de l'Éternel nous maintient dans la fidélité. Voilà pourquoi nous devons toujours rendre grâce au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Remercier le Seigneur. Quand tu penses, tu dis, ah, il m'avait fallu 5 ans, 10 ans pour avoir mon enfant. C'est vrai, cet enfant a 25 ans, 30 ans aujourd'hui. Je me soutiens, je témoigne. Les gens peuvent être fatigués de son témoignage. On connaît comment il commence, comment il finit. Mais toi, tu sais ce que Dieu avait fait pour toi. Toi, tu sais combien tu as enduré pour avoir ce travail. Toi, tu sais combien tu as enduré pour avoir cette femme, pour avoir cet enfant. Tu sais. Habituez-vous à entendre les mêmes choses. Donnez les mêmes témoignages. Parce que je sais d'où Dieu m'a tiré. Je sais d'où il m'a pris. L'oubli fidèle a le souvenir intact dans sa pensée. Celui qui se souvient demeure fidèle. Malachie 2, verset 14. On nous dit, et vous dites, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Il est en train de parler au sacrificateur. Il dit, le jour où vous êtes marié, moi j'ai été témoin. Mais voilà, tu as oublié. Tu es devenu infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Tu n'es pas resté fidèle parce que tu n'as pas tenu compte du passé. Rester fidèle à son époux. Proverbe 2, 17, on nous parle de cette mauvaise femme qu'on appelle dans le proverbe la femme étrangère. Pas parce qu'elle est d'une autre nationalité, non, étrangère parce qu'elle a un comportement étrange, un comportement contraire à la parole de Dieu. On nous dit dans Proverbe 2, 17, cette femme qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Cette femme avait fait alliance devant Dieu le jour de son mariage. Mais on nous dit qui oublie l'alliance de son Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer. Voilà pourquoi il est important de se marier devant Dieu. D'être béni à l'église. Si vous n'avez jamais été béni à l'église, en tout cas, je vous encourage à être béni devant Dieu. Là, on nous dit que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Vous savez, quand le Dieu est témoin, même quand il y a des problèmes dans votre couple, là, Dieu, il viendra, il combattra pour vous. Lui, il a été témoin. Mais le problème, c'est que toi, tu discutes. Oh non, la dot suffit, c'est bon, on n'a pas besoin de se marier, d'avoir la bénédiction de l'église. Je me rappelle d'un frère qui disait comme ça, l'église bénit seulement, c'est rien, c'est entre les familles. J'ai dit ok, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Probablement tu ne comprends pas ce que cela signifie la bénédiction. La bénédiction, c'est un manteau divin qui vient sur nous afin que l'impossible devienne possible. C'est un manteau que Dieu nous donne afin que nous puissions réaliser les exploits. Pensez à un homme comme Jacob. Ésaü est resté avec tous les biens de papa. Jacob, il fuit. C'est vrai que voilà, il n'était pas aussi droit que ça. Il fuit, il reçoit juste la bénédiction. Il quitte la maison de son père avec un bâton. Et dans Genèse 32, il parle à Dieu lorsqu'il fait la prière. Il veut retourner vers la maison de son père. Dans la maison de son père, il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Il dit, je ne suis pas digne de toutes les grâces que tu m'as accordées pendant 20 ans dans la maison de mon beau-père qui était mon employeur. J'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Mais 20 ans après, je forme deux camps. Il était parti avec quoi? Avec la parole prononcée par son père. Ne méprisez pas la parole des parents spirituels. Ne méprisez pas la parole de Dieu. Jacob est parti avec la parole. Et toi, tu oses dire à l'église, on bénit seulement.
C'est pourquoi on ajoute même ce verbe, adverbe là, seulement. C'est pour diminuer. Ah, il faut que Dieu soit le témoin. La fidélité est aussi attestée par le témoignage de Dieu. Les gens peuvent dire que nous sommes fidèles. Fidèles dans ce que nous accomplissons pour Dieu. Mais est-ce que Dieu atteste, témoigne de notre fidélité? 1 Samuel 12, 17 à 18, Samuel leur dit, c'est la moisson de blé. La moisson des blés s'étend de la mi-avril à la mi-juin. Et il ne pleut pas. C'est rare qu'il pleuve. C'est juste des petites pluies, mais il ne pleut pas. J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Vous pouvez prendre cela comme de la blague. Et on nous dit que Dieu, au verset 18, Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce jour même du tonnerre et de la pluie. Alors que ce n'était pas la période de la pluie. Samuel, le ciel est en train d'attester de sa fidélité. Est-ce que le ciel atteste de ta fidélité dans tous les aspects de ta vie? Samuel reçoit le témoignage de Dieu. La fidélité de Samuel est reconnue par Dieu aussi. Est-ce que le ciel reconnaît ta fidélité? Est-ce que le ciel reconnaît ta fidélité? Voilà pourquoi Samuel, dans 1 Samuel 12, 24, il dit « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. » Le secret de sa fidélité était un cœur entier. Est-ce que ton cœur est encore entier? Ou tu t'es laissé aller par les circonstances de la vie? C'est vrai, tu sais, on peut être fidèle hein, là où on travaille, mais il y a la réalité aussi, hein, il faut voir la réalité en face. Le chrétien ne vit pas ainsi. Il vit en fonction de ce que la parole de Dieu lui dit. Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Et la fidélité est la multiplication des talents que Dieu nous a donnés. Souvent, nous oublions cet aspect de la fidélité. Il est vrai que fidélité signifie stabilité, fermeté, être établi comme il se doit, établi pour toujours. Mais la fidélité signifie aussi multiplier ce que Dieu nous a donné. Est-ce que tu multiplies ce que Dieu te donne ou tu détruis, tu réduis ce que Dieu te donne? Matthieu 25, nous connaissons la parabole du talent. Un homme devait aller en voyage, il appelle trois de ses serviteurs, il leur donne, à l'un il donne 5 talents, au deuxième il donne 2 talents, au troisième 1 talent. Il est dit à chacun selon sa capacité, il s'en alla. Et quand ce monsieur-là revient, on nous dit au verset 20 de Matthieu 25, celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Puisqu'il a multiplié le talent, on l'appelle fidèle. Est-ce que dans ta responsabilité qu'on te donne à l'église, il y a une multiplication? Dans ce que Dieu t'a confié comme charge dans la société, dans une entreprise, est-ce que tu as multiplié? On peut dire que avant que tu n'arrives dans cette entreprise, nous étions à 50% de bénéfices. Aujourd'hui, on a explosé, on est allé jusqu'à 1000%. La multiplication, au verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Ce que Dieu te donne doit être multiplié. On voit cette sœur vous marier, mais elle ne doit pas être éteinte. Les valeurs, les qualités, les forces, les capacités que Dieu a placées en elle, spirituelles, intellectuelles, je ne sais, morales, doivent se voir. J'aime souvent dire, Dieu ne donnera pas à un homme, une femme qui est un produit fini. Non, Dieu a déjà commencé à travailler, mais il dit, c'est un peu comme la matière première, je donne la suite. Pour que toi et moi travaillons pour qu'on puisse voir le produit fini. Donc toi, quand tu méprises, tu insultes ta femme, tu es en train de t'insulter toi-même. Là, nous disons dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens plutôt, que la femme est la gloire de l'homme. Gloire, dans ce passage de 1 Corinthiens 11, c'est éclat, c'est splendeur. La gloire, c'est ici, dans ce passage de 1 Corinthiens 11, c'est doxa en grec, c'est-à-dire la manifestation complète de quelque chose.
On doit parler de la gloire du lion, c'est quand le lion rugit. C'est là qu'il est vraiment lion. Quand l'oiseau vole, c'est là qu'il est vraiment oiseau. On dit c'est la gloire de l'oiseau. On nous dit la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Multiplication. Est-ce que tu multiplies? Dieu avait donné des grâces à Samuel. Et Samuel, c'était un multiplicateur. Dans 1 Samuel 9, verset 6, nous connaissons un peu ce passage. Le roi Saül, il n'est pas encore roi, Saül est envoyé par son père pour aller chercher les ânesses qui étaient perdues, les ânesses de la famille. Et il ne trouve pas les ânesses, il veut le rentrer. Et le serviteur lui dit dans 1 Samuel 9, verset 6, « Non, ne rentrons pas. Il y a dans cette ville un homme de Dieu. » Ah, il y a beaucoup de gens dans ce bas monde qui s'appellent hommes de Dieu, mais qui ne sont pas hommes de Dieu. Il y a dans cette ville un homme de Dieu, premièrement. Deuxièmement, c'est un homme considéré. Troisièmement, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Un homme de Dieu, un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Samuel avait multiplié ce que Dieu lui avait donné comme talent. Plusieurs commentateurs de la Bible disent qu'il a été le père ou le fondateur des écoles des prophètes. Des écoles des prophètes. Il y avait l'école des prophètes à Mitzpah, il y avait l'école des prophètes à Rama où il habitait, il y avait l'école des prophètes aussi à Najot. Plus tard, ça sera encore plus structuré par Élie, par Élisée. Élisée, nous nous rappelons, il va suivre Élie dans les différents endroits où il y avait l'école des prophètes. Au Jourdain, il va le suivre à Gilgal, il va le suivre à Bethel. Mais celui qui a tout commencé, c'est Samuel. Il a voulu structurer en tant que prophète l'école des prophètes. Il dit non, ces gens ont des dons, mais ils doivent être enseignés pour mieux exercer ce don. Donne-nous encore des Samuel aujourd'hui. Les gens s'élèvent, ils se proclament prophètes. D'autres s'élèvent, ils se proclament docteurs. Mais quand on voit et l'être de la personne et même le contenu, il n'y a rien. 1 Samuel 19, 18 à 20 nous dit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Et il s'est rendu auprès de Samuel à Rama. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On lui rapporta à Saül en disant, voici David et à Najoth, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. C'était l'école des prophètes, une vraie école des prophètes. Samuel était à la tête. Il dit non, on doit structurer les choses. Il faudrait qu'on laisse un héritage. Ces dernières années, je travaille là-dessus. Je travaille en fonction de l'héritage. Je me dis, probablement un jour, je ne serai plus là. Pas physiquement. Peut-être le Seigneur va me rappeler. Non, mais il y a plusieurs circonstances qui peuvent arriver. Mais je ne vois pas que moi, aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des gens qui doivent aussi prendre le relais. Quand je ne sais pas. Il avait une école. On dit l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et s'est mis aussi à prophétiser eux-mêmes. C'était vraiment le camp de Dieu dans cet endroit-là. Samuel, un homme de foi aussi. Un homme de foi. N'est-ce pas qu'il est cité dans Hébreux 11, verset 32? Parmi les hommes de foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a cité plusieurs personnes. Il y avait d'Abel jusqu'à Rahab. 11 personnes avec leur foi, de façon détaillée. Au verset 32, il dit, « Que dirais-je encore? Car le temps me manque. » Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Il dit, je n'ai plus le temps, j'aurais bien voulu parler de Samuel. Un homme de foi, un homme qui n'abandonne pas. Pas pour rien, ta foi va être ébranlée. Tu laisses tomber. Pour finir, nous voulons voir quelques conséquences de la croissance et de la fidélité de Samuel. Première conséquence, Samuel est devenu une référence. Samuel. On nous parle souvent d'Élie qui faisait descendre le feu du ciel par sa prière. Oui, Élie est un homme extraordinaire. Moïse aussi. Mais nous oublions souvent Samuel. Une référence.
un point de repère. Acte 3, verset 24. On nous dit tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de dire. Il dit tous les prophètes qui ont successivement parlé de la part de Dieu. Il dit depuis Samuel. Il n'est pas n'importe qui. Un point de repère, une référence. Si tu acceptes de croître selon Dieu, si tu acceptes de vivre dans la fidélité avec ces trois dimensions, Dieu fera de toi une référence dans ta génération. Dieu fera de toi quelqu'un qui ne pourra jamais passer inaperçu. Tout cela pour sa seule gloire. Notre conséquence de sa vie de croissance et de fidélité, sa vie va traverser les âges. Ce qu'il a annoncé se produisait. Son nom, aujourd'hui encore, on donne le nom de Samuel. Même si on ne connaît qu'une partie, on donne le nom parce qu'on a attendu un enfant longtemps, on lui donne Samuel. Mais Samuel, c'est plus que le fait d'avoir un enfant. 1 Chronique 11, verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. Samuel était déjà mort. Au moins 10, 15 ans de cela, il était déjà mort. Mais les anciens disent, on va oindre David comme roi sur tout Israël. C'est vrai, il a régné 7 ans à Hébron, mais on va l'oindre comme roi sur Israël. Pourquoi? C'est selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. Ce qui est annoncé se produisait. C'était un homme charismatique et qui avait aussi du caractère, qui était fidèle. Ce n'est pas incompatible. Ah, Dieu veut susciter dans cette génération des personnes qui ont la parole, qui manifestent aussi des miracles, des prodiges. Ce n'est pas incompatible. Une autre conséquence, Samuel avait reçu la révélation de la venue de Jésus, du Fils de Dieu. Acte 3, 24, je n'avais pas fini. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Quels étaient ces jours-là? Les jours de la venue de Jésus. Samuel, il le savait. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Tu veux une révélation spéciale de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu t'a dit dans sa parole écrite? Est-ce que tu mets en pratique ce que l'on te prêche dimanche après dimanche, semaine après semaine? Une autre conséquence, lorsqu'on marche dans la fidélité et que la croissance est notre partage, Dieu témoignera de la fidélité de Samuel même après sa mort. Une personne fidèle laisse un impact positif. Je préfère ajouter positif, parce que ce n'est pas tous les impacts qui sont positifs. Une personne fidèle laisse un impact positif dans le cœur de Dieu. J'avais 15, 16 ans, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, oh, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Ça m'avait bousculé. Jérémie 15, verset 1. Jérémie va intercéder en faveur de son peuple. Que son peuple n'aille pas chez les Babyloniens, que les Babyloniens ne puissent pas remporter la victoire sur le royaume de Juda. Verset 1, Jérémie 15, 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Hein? Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, Jérémie 15, 1, on nous parle de Samuel. Dieu dit non, ce monsieur-là, il a marqué mon cœur. S'il se tenait même devant moi, je ne lui répondrai pas. Comme pour dire, lui, je lui répondais toujours. Psaume 99, verset 6. Le psalmiste dit, Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Dieu ne pouvait pas dire non à la prière de Samuel. Il laisse un impact positif. Vous voyez, là où la croissance et la fidélité marchent ensemble, la réussite est toujours assurée. Cet homme Samuel, il a oint les deux premiers rois d'Israël. Il a oint
d'abord Saül, et il a oint aussi David alors qu'il n'avait que 16 ans et demi, 17 ans, dans 1 Samuel 16. Un homme extraordinaire. Il n'a pas occupé une fonction politique comme roi. Bon, c'est vrai qu'il était juge. Mais lorsqu'il arrivait à un endroit, tout le monde tremblait. Dans 1 Samuel 16, il arrive à Bethléem. Les anciens sortent pour lui demander, ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Le roi, c'était Saül. Mais lui, c'était une autorité morale. Quelqu'un qui était respecté. Il ne s'est pas donné juste le nom d'autorité morale. Mais on a compris que cet homme, il avait des valeurs. Cet homme était fidèle. Un homme extraordinaire. C'est ainsi que nous allons croître. C'est ainsi que la réussite nous sera assurée. On cherche cet homme dans la fidélité, il est présent. On le cherche dans le charisme, il est là. Dans le caractère, il est là. Ce qu'il a fait pour Samuel, il peut le faire pour toi. Il peut le faire aussi pour moi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dans la vie de Samuel, Dieu était l'alpha et il a été aussi l'oméga dans tout son parcours. J'aimerais qu'on reprenne ces chants qu'on a chantés tout à l'heure avant que maman ne prenne la parole. Mais chante ça différemment. Chante en ayant la pensée de ce qui a été prêché. Dans ma vie, tu es alpha et... C'est ce chant-là que je veux. Que réellement tu réalises, que tu puisses prendre l'engagement que Dieu soit l'alpha, qu'il soit l'oméga. Et prends l'engagement de croître. Prends l'engagement d'être fidèle. S'il s'est trouvé quelque infidélité vis-à-vis de tes supérieurs, vis-à-vis de tes semblables, vis-à-vis de ton Dieu, vis-à-vis de tes inférieurs, c'est-à-dire de tes subalternes, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. L'infidélité ne te permet pas de croître. Tu es en manque de croissance à cause de l'infidélité, à cause de ta bouche qui dit n'importe quoi. Mais si tu allies la croissance et la fidélité, ta réussite sera assurée. Demande pardon au Seigneur. Tu réalises réellement que tu as encore du chemin. Ces paroles qui ont été dites t'ont concerné directement. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi. En réalité, même on doit rechercher ces qualités qui se trouvaient en Samuel. La croissance, mais aussi la fidélité. La croissance, mais aussi la fidélité. Élève ta voix. Je ne t'entends pas prier. Parle au Seigneur. Présente-toi à lui. Présente-toi à lui. Tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu. Tu laisses tomber à terre ce que Dieu te dit au travers de l'enseignement que tu reçois chaque semaine, au travers de la prédication. Oui, même à travers aussi la parole écrite de Dieu, à travers même les songes, les visions que Dieu te donne. Tu négliges sa parole. Tu négliges sa parole. Oh, dis Seigneur, je ne veux plus négliger ta parole. Si tu as été infidèle à Dieu dans les dîmes, demande pardon au Seigneur. Si tu as été infidèle à Dieu aux réunions de l'église, demande pardon au Seigneur. Si tu as été infidèle même par rapport à tes responsables spirituels, demande pardon au Seigneur. Si tu as été infidèle à ton épouse, demande pardon au Seigneur. Si tu as été infidèle à ton époux, même dans tes pensées, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Oh, demande pardon au Seigneur. Oui, nous voulons cette marque en nous. Cette marque en nous. Oui, cet homme, il était riche. Cet homme, autour de sa table, pouvait se tenir au moins 30 personnes, 30 hommes pour manger. Mais cet homme était fidèle. Cet homme était fidèle à Dieu. Cet homme était riche et il était intègre. Oh, dans ma vie. Oui, allez-y. Alpha et oui, c'est ça qu'il désire. Qu'il prenne le contrôle de tout. Oméga, Jésus, tu es. Oui, Jésus, Jésus. Alpha Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Que nous
Ils sont aimés comme Samuel t'a aimé. Oh, son nom se trouve dans la liste des héros de la foi. Oh, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, si je dois commencer à parler de Samuel, on ne pourra finir, on ne pourra pas finir. Le temps me manquerait pour parler de Samuel. Seigneur, ce que tu as condamné au temps de Samuel, tu condamnes ça encore aujourd'hui. Ce qui était péché autrefois, tu vois cela encore aujourd'hui comme étant le péché. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous ne respectons pas ta parole. Nous ne prenons pas en compte ce que tu nous dis dans ta parole écrite. Nous ne tenons pas en compte ce que tu nous dis, Seigneur, dans les prédications. Nous ne tenons pas en compte, Seigneur, ce que nos parents spirituels nous disent. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons être fidèles. C'est ainsi, Seigneur, que le royaume de Dieu va avancer. Au nom de Jésus, nous voulons prêcher par l'exemple. Nous voulons prêcher par l'exemple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, des personnes sincères, des personnes intègres, des personnes qui manifestent la puissance de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, l'intégrité, la fidélité ne diminue pas la puissance de Dieu. Oh, tu vivras des grandes choses avec Dieu. Et il veut que tu puisses réellement le connaître davantage, grandir, que là où la parole de Dieu est rare, que là où les visions ne sont pas fréquentes, que la gloire de Dieu vienne sur toi, que la gloire de Dieu t'envahisse dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je prie pour la constance, je prie que ton frère puisse multiplier les talents que tu lui as donnés, Seigneur, les capacités que tu lui as données, les dons que tu lui as donnés. Oh Seigneur, qu'on se souvienne de cette personne comme ayant établi telle chose. Oh Seigneur, fais de chacun de nous un point de référence. Oh, un point de repère, une référence. Oh, on a dit tous les prophètes qui se sont successivement présentés, qui ont apparu successivement depuis Samuel. Depuis Samuel. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu as besoin de mon frère. Tu as besoin de ma soeur, Seigneur, pour que cette réussite soit assurée au sein de cette église, au sein de cette ville, au sein de cette nation, la Côte d'Ivoire, au sein de l'Afrique de l'Ouest, au sein de toute l'Afrique, dans le monde entier, oh Seigneur. Oh Jésus. Oh, les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Oh Jésus. Parle au Seigneur, parle-lui, parle. Prends un engagement. Fais un vœu à l'Éternel. Dis Seigneur, par rapport à cette prédication, je t'ai fait un vœu. Oh, de toujours marcher devant ta face. Fais un vœu à l'Éternel. La Bible dit, faites des vœux à l'Éternel. Fais des vœux à l'Éternel. Prends un engagement devant Dieu, d'être fidèle envers Dieu, fidèle envers tes supérieurs, fidèle envers tes subalternes, fidèle en tout, et ne laisse pas tomber à terre aucune des paroles de Dieu, dans le nom de Jésus, 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 sois l'alpha, sois l'oméga. Donc de tout ce que je vais accomplir au nom de Jésus. Oh, dans la santé comme dans la maladie. Oh, d'être fidèle. Oh, Alpha, Oméga de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons l'infidélité. Nous chassons l'esprit d'infidélité. Dans sous toutes ses formes, au sein de cette église, au sein de la famille, ministère la bonne voie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oméga. Gloire à toi, Seigneur, sois loué éternel. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, éternel, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité, Seigneur, qui ne manque jamais. Ta fidélité, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
est un bouclier, une cuirasse, Seigneur, pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu fidèle, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et pour son serviteur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole. Cette parole, Seigneur, que tu viens de nous donner, Seigneur. La fidélité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Par qui tu es passé pour nous communiquer, Seigneur, ta parole ce matin. Bénis sa vie, Seigneur. De la même manière, Éternel, Samuel a été fidèle dans toute ta maison. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ton serviteur. Merci de rendre témoignage de sa fidélité dans ta maison. Et la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.